C'est une fierté. Je suis vraiment content d'organiser et de voir que ces jeunes, ils ont mis le cœur à la main. C'est qu'ils ont joué calmement, sans pouvoir se blesser. Ou il n'y a pas de tiraillement. C'est le fair play qui m'a plu dans, cette finale. Les deux finales même, parce qu'on a eu vu avoir les cadets, et donc ça s'est bien passé. Vous savez, ce n'est pas une histoire de vainqueur ou de vaincu. Ce qui est important, c'est l'harmonie qui tourne autour de cette jeunesse qui est importante. C'est cette jeunesse d'Enamport commune qui est la jeunesse gagnante. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette finale. Mais on est vraiment honoré de voir notre sous-préfet venir présider notre finale. Vous savez, je suis un garçon qui a voyagé un peu. Ce qu'on a ici, on ne l'a pas ailleurs. La Casamance est très riche. À mon avis, et je continue à les demander de ne pas prendre les pirogues. On peut vivre ici. Si on s'organisait, donc les ASC se mettaient à écrire des projets, on va faire tout pour trouver des financements pour ces projets. Et ces ASC vont être des employeurs de la jeunesse de la commune de Enamport. On avait tenu une rencontre de notre installation. On avait convoqué les femmes, on avait convoqué aussi les jeunes. Et bien, on a eu à demander à ceux qui fassent des projets, écrire des projets. Maintenant, après l'écriture de ces projets, nous, à notre niveau, on peut trouver des partenaires qui pourront nous aider à aider la jeunesse.